Démarrer. Eh bien, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire TVU Networks avec France Télévisions sur la production dans le cloud. Avant de démarrer, Christelle, est-ce que Christelle Branch, tu es à Barcelone? Bonjour Christelle, est-ce que tu veux nous dire quelques mots en intro? Oui, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire. Veuillez noter qu'il s'agit d'un format webinaire Zoom où vous ne pouvez pas partager votre caméra ni votre micro. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez utiliser le bouton QR pour écrire votre question qu'on répondra en parallèle. Je vais passer la parole à notre modérateur d'aujourd'hui, François Abbé. À toi de jouer. Merci beaucoup Christelle. Christelle qui est à Barcelone. Je passe la parole tout de suite à Romuald Rat, monsieur innovation à France Télévisions. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur ce projet de production dans le cloud. Alors, ben voilà, c'était le décompte à 1 an des Jeux Olympiques. On était pile poil à 1 an. Et l'éditorial de l'équipe éditoriale de France Info, qui n'est pas avare de bonnes idées, a voulu faire un live sur une matinée en invitant des personnalités du monde du sport, l'organisateur des Jeux Olympiques, le patron de Paris 2024, des champions olympiques, sur un bateau, sur une péniche qui traverse dans un sens puis dans l'autre Paris pendant 3 heures pour se mettre dans les mêmes conditions que la cérémonie d'ouverture dans 1 an, enfin 1 an après cette date-là, avec une cérémonie d'ouverture qui est qui se passe sur la scène. Donc un gros challenge pour les équipes de production et les équipes d'ingénierie pour préparer cette émission-là. Merci Romuald, on va en parler dans les détails. Et si vous nous suivez d'assez loin dans la zone francophone, on parle de la Seine-la-Rivière, bien entendu. Jean-Christophe Albou, bienvenue, TVU Networks. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. On va parler un peu d'innovation, mais aussi de transition de métier. Donc, je vais commencer par une courte présentation de TVU. J'imagine que beaucoup d'entre nous, nous vous connaissez déjà, mais un petit rappel sur ce qu'on fait. Donc, on est depuis plus de 17 ans dans le métier du broadcast. On a commencé dans l'industrie avec la transmission. Donc, voir qu'à l'époque, la majorité des productions se faisait avec du satellite. On est arrivé avec des technologies en fait, d'agrégation de réseaux, y compris donc l'agrégation des réseaux cellulaires. Et depuis plus de 17 ans, on a fabriqué, amélioré des produits qui se retrouvent de plus en plus petits, de plus en plus compacts pour pouvoir permettre aux chaînes de télévision, aux producteurs de contenu, de faire des news de manière assez mobile, flexible. Et donc récemment, donc on fait de plus en plus de transmissions au 4G et 5G. On a énormément de clients, on a plus de 4 000 clients à travers le monde entier. Donc bonjour à ceux aussi qui nous rejoignent depuis l'Afrique francophone. Et on a aussi beaucoup de prix sur les innovations et à la fois sur le matériel, mais également sur tous les algorithmes qui ont été déposés pour créer en fait et rendre possible ces transmissions d'haute qualité. Donc sur cette présentation, je vais aussi vous parler un petit peu de la société elle-même. Donc on est basé en Californie, on a plus de 350 employés aujourd'hui. Donc le slide n'est pas mis à jour parce que en fait, notre progression en Europe est assez fulgurante, puisqu'on a vu, et c'est probablement aussi dû à la partie Covid, où les gens ont commencé à prendre les habitudes de travailler en remote. On a donc énormément de projets qui sont non plus seulement des projets de transmission, mais des projets également de production avec des moyens délocalisés. Donc, cette société qui est dans la Silicon Valley, donc on est juste en fait derrière Google, donc fait la plupart des innovations avec aussi un énorme centre de développement en Chine. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a plus de 150 pays dans lesquels vous pouvez, par exemple, avoir des produits et services de TVU, comme la location d'événements. Bien entendu, on va couvrir de manière extensive à Paris les JO 2024, mais ce que vous retrouviez en Afrique, en Asie, en Amérique latine, nous avons un réseau de partenaires qui couvre le support, le service, la location de produits et services TVU Networks. Merci Jean-Christophe. Alors on va en reparler pendant quelques minutes. On voit quelques-uns des logos des clients et des partenaires. Oui, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on vient surtout du milieu de la télévision, donc on travaille principalement avec les broadcasters. La plupart des chaînes de télévision, d'ailleurs, dans le monde entier, sont équipées en termes de réception
de nos technologies TVU, mais progressivement avec justement ces technologies de plus en plus performantes, parce que le sport est assez en fait demandeur de contenu, mais aussi de haute qualité et de haute fiabilité. On voit des productions en fait qui sont à la fois des grandes productions, des productions aussi en tier 2, tier 3 sur du foot, du tennis, du volleyball, du rugby. Et donc on travaille énormément aujourd'hui avec des producteurs de contenu sport. Merci Jean-Christophe. Avec toi, alors je sais pas, c'est une table de réunion virtuelle, donc je sais pas si la personne est à ta gauche, à ta droite, mais Yoni Taillard, bonjour Yoni, tu es toi aussi à Barcelone. Oui, correct. Bonjour tout le monde. Enchanté. Donc, Yoni en charge du marketing global à TVU est basé à Barcelone. Et donc, ici pour répondre à toutes vos questions que vous avez sur le chat. Donc, allez-y, lâchez-vous et vous aurez des réponses en temps réel. Et bien sûr, si besoin de parler de vive voix, vous pouvez lever la main et Christelle vous donnera la parole ou nous adresserons aussi vos questions à la fin. Merci beaucoup, Yoni. Alors, de mon côté, mon nom est François. J'ai la chance de travailler sur des projets innovants dans les médias en Europe francophone et également au Moyen-Orient. Et j'ai la grande joie d'animer ce webinaire. Merci à France Télé et à TVU Networks. Est-ce que nous avons une première question, Christelle? Oui, alors la première question est pourquoi le cloud et pas la production traditionnelle? Ah, est-ce que c'était une solution à la recherche d'un problème, messieurs? La solution à la recherche d'un problème, oui et non. Non, parce qu'on avait le moyen de le produire de façon très traditionnelle. Très traditionnel sur quelque chose qui bouge comme ça veut dire quoi? Ça veut dire une méga production. Ça veut dire une production digne du Tour de France, avec beaucoup de moyens, avec des gros budgets, générateurs d'une dépense carbone conséquente. Et en plus, avec un problème, c'est quand même on est sur un bateau qui navigue. Donc, pour France Télévisions, quand on a eu de notre côté, quand on a eu cette demande de la part de France Info, on a su qu'on n'aurait pas, d'une part, le budget et la capacité de faire pour France Info le même niveau de production que celle que l'on fait pour le Tour de France. Ce n'est pas la même portée. Quand on produit le Tour de France, on le diffuse dans le monde entier. C'est des audiences extraordinaires. Bah, oui, ça compte. Et donc, il fallait qu'on trouve une autre solution. Mais il fallait qu'on trouve une autre solution qui puisse nous permettre de produire autrement, donc certes avec un budget moins important, mais avec déjà un premier mot d'ordre, c'est qu'il nous fallait la même qualité. La même qualité qu'il fallait embarquer les équipes, je pense qu'on en reparlera. Pourquoi on s'est orienté vers le cloud? Bah parce que à l'heure actuelle, travailler avec nos moyens dits traditionnels, bah ça a sa limite. Alors c'est vrai que nous, on est habitués depuis de nombreuses années à travailler avec TVU Network, d'arriver avec des problématiques, de les exposer et puis de trouver des solutions ensemble. C'est comme ça qu'on a été dans les premiers à utiliser les devices TVU, hein, qui ont été après complétés par d'autres marques qui sont venues sur le marché, mais au début des années 2010, on a été les premiers à les utiliser en live dans nos antennes. On a été les premiers à utiliser, à agréger la 4G, les antennes Starlink ces dernières années pour pouvoir produire d'autres choses. Et tout ce travail-là, on l'a fait ensemble, en travaillant ensemble avec TVU. Bah là, on est arrivé et puis on s'est dit, bah, comment on peut produire autrement? Et donc, produire autrement, bah, à l'heure actuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire de profiter de l'écosystème qui se crée autour, d'une part, des connexions qui s'améliorent, la 4G, la 5G, la Starlink, et puis une orientation des produits de TVU sur pas uniquement l'outil de transmission qui est le TVU One, mais aussi tout un écosystème de production qu'il y a derrière. Et donc, pour nous, c'était très important d'aborder ça sur une globalité cohérente de l'écosystème que l'on allait mettre en place. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, effectivement, ça nous a paru comme étant
être le bon sens de faire évoluer cette pratique-là pour ce cas d'usage-là et de voir comment ça nous projetait sur l'avenir. Merci Romuald. Quelque chose à ajouter? Dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe à la première partie de ce webinaire sur la production dans le cloud, au niveau des enjeux de cette production dans le cloud. Alors, Romuald, j'aimerais te repasser la parole et te poser une question. Filmer en mobilité, filmer sur une puniche, on sait faire. Alors, tu viens de nous expliquer qu'il y avait des enjeux techniques, mais pas que. Alors, effectivement, pas que, il n'y a pas que des enjeux techniques, Et là, on mais voit des images de la ça commence déjà production. par des enjeux techniques. Les enjeux, on les voit là en image, c'est-à-dire que pour faire de la réalisation dans le cloud et puis même pour transmettre les images sur le bateau, à partir du moment où on ne prend pas un avion relais pour faire de la HF et ainsi de suite, bah, il fallait qu'on assure une connectivité. Donc ça, c'est vrai qu'on a mis en place un écosystème d'agrégation des différents signaux entre les signaux 4G, les signaux 5G, puis on sait que la 5G en France, c'est un petit peu une 5G de façade hein, quand même pour l'instant, et puis les Starlink avec deux Starlink maritimes, enfin en fonction maritime, une à l'avant du bateau, une à l'arrière. Pourquoi? Parce que bah, on passait sous des ponts parfois en pierre, parfois en fer, avec une connexion voilà, qui se perdait d'un côté, qui se regagnait de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'était réellement le premier enjeu. Le Sachant deuxième qu'on voit l'antenne Starlink, pardonne-moi de te couper, hein, en bas à gauche, si mes En yeux bas à gauche, pas on défaut. a l'antenne Starlink, on a des antennes 4G, 5G, principalement 5G qui sont en bas à droite. Et en haut à gauche, ce que l'on voit, bah, c'était que, y avait un système de routeur qui était mis en place qui permettait d'agréger l'ensemble des signaux et qui assurait aux équipes aussi bien en débit ascendant qu'en descendant, et on va voir pourquoi c'était important aussi en descendant, qui assurait la connexion minimale ascendante et descendante pour l'équipe. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir sur les autres photos derrière, c'est que on avait choisi de faire la réalisation dans le cloud, mais alors au lieu de mettre l'équipe de réalisation au niveau de France Télévisions, ce qui nous aurait techniquement simplifié les choses, ben en fait, tout le monde voulait faire un tour de bateau sur la Seine. Hein. Ça, c'était important. Mais surtout, tout le monde voulait participer à cet univers de se mettre dans une autre organisation de travail. Et donc, en fait, on a mis la production dans le cloud. Elle était managée aussi depuis le bateau, sur le pont inférieur. Donc là, c'est ce que l'on voit notamment sur la photo à gauche. Et donc, même l'éditorial était présent. On voit Marie-Paule Rigal, qui est en haut à droite et qui était la rédactrice en chef de l'émission. Et en fait, tout l'univers, c'est-à-dire les ordres, la gestion du son, les switches des caméras, tout ça a été réalisé dans le cloud. Et en fait, ce que l'on voit notamment sur la photo en haut à gauche, le technicien qui est au milieu, il a une petite boîte à boutons qui sont des raccourcis clavier hein, uniquement, et qui lui permettait de changer de caméra. Et sur le grand écran, ce n'est que la projection de la page web. Du TVU producteur qui est descendant, hein, qui est géré par la phase descendante de la connexion et qui est sur le navigateur web de l'ordinateur Mac qu'il a devant lui. Donc en fait, il réalisait cette émission sur une page web, tout simplement, et donc tout cela pendant 3 heures. Alors d'ailleurs, François, une petite remarque, on a parlé de 3 heures d'émission, et c'est vrai qu'on a fait 3 heures d'émission continue pour France Info, mais derrière, on a enchaîné, on a eu une coupure de 10 minutes et on a enchaîné derrière sur 30 minutes de journal spécial de Paris Île-de-France, diffusé cette fois-ci bah, sur l'antenne de Paris Île-de-France. Donc en fait, on a fait un petit peu plus sans prévenir, hein, bien sûr. On a fait ça et c'était plus sympa de faire toutes les équipes, toutes les différentes antennes. Et c'est là où c'est important aussi, c'est qu'on a été capable de s'adapter très très vite. Un changement d'habillage, changement de régie finale de destination, et ainsi de suite. Donc tout ça a été managé avec les mêmes outils et la même captation. Alors, une belle transition, merci Romuald. Qu'est-ce qui se cache derrière cette double production, Jean-Christophe Albu de TVU Networks? Alors, François, il se cache en fait principalement deux choses. Déjà, beaucoup d'innovation en termes de technologie, mais également un énorme projet d'équipe, un projet humain. Parce que vous pouvez prendre les meilleures technologies au monde, vous pouvez prendre l'appareil, la meilleure caméra au monde. Ce qu'il faut d'ailleurs, c'est un bon réalisateur, un bon DOP pour avoir les belles images. Et c'est exactement la même chose.
Je pense qu'il y a été, en dehors de la partie technologie, importante de notre côté, c'est qu'on s'est intéressé en fait aux problèmes humains parce que vous avez des personnes qui sont très compétentes, qui travaillent sur des productions avec des moyens et des habitudes assez traditionnelles. Et du coup, on leur demande, parce que la technologie le permet, de faire des productions, mais de manière différente. Donc, ça engage beaucoup de notre côté de partie, ce qu'on appelle le consulting, de travailler avec les équipes audio, avec la rédaction, le producteur, sur quels vont être les bénéfices de cette technologie et surtout comment utiliser ces outils et quels sont en fait les potentiels de ces outils. Alors, revenons dans la partie technologie. Donc, je précisais tout à l'heure que ça fait plus de 17 ans qu'on est dans le domaine de la transmission et aujourd'hui, c'est un petit peu le produit, notre produit premium, il s'appelle le TV One, donc RPS One. Le RPS, c'est pour Remote Production System. Donc, on a une petite boîte qui permet de réaliser entièrement une émission. Vous allez en fait avoir sur cette boîte quatre entrées SDI. Donc, comme il y avait 8 caméras, on verra plus tard sur les schémas, donc on avait en fait, finalement deux boîtiers qui étaient synchronisés entre eux. Ces boîtiers eux-mêmes embarquent des connexions 4G, 5G. Donc, on a vraiment un produit qui est extrêmement performant puisqu'on utilise les dernières technologies d'antenne. Donc, on avait 21 antennes qu'on appelle MIMO. Donc, simplement, c'est que ces antennes sont capables de se connecter à différents points du réseau, ce que ne proposent pas encore aujourd'hui les autres solutions du marché. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement récent en termes de conception. Et ça permet de faire de la 4K, du HDR et surtout de pouvoir délivrer une qualité d'image et de transmission telle que nécessite France Télévisions. Donc, revenons sur le slide d'avant. Donc, vous avez au cœur la partie transmission et tout un écosystème de production qui a été mis en place pour les équipes de France Télévisions. Alors, pour donner une petite vision ensemble, vous avez la possibilité de faire de la production en utilisant notre transmission ou pas d'ailleurs. On peut très bien remonter vers le cloud des signaux SRT, NDI ou SMT 2110, d'autres systèmes. Donc, on peut, avec des outils cloud, faire des commentaires à distance. Donc, ces commentaires à distance peuvent à la fois être pour le domaine du sport, mais pourquoi pas pour traduire finalement un show live en différentes langues. On a la possibilité de faire, ça c'est surtout pour le domaine sportif, des replays. Donc, vous pouvez en temps réel, même avec un iPad, définir des highlights, des points d'entrée, points de sortie sur des clips vidéo, et puis retransmettre en fait cette nouvelle playlist réalisée en temps réel à l'antenne. On peut bien entendu faire de la partie graphique. Donc, on a dans notre système embarqué, on peut tout simplement faire un logo, un texte, mais également aller sur des animations, du score, des choses extrêmement complexes qui peuvent d'ailleurs préparer à l'avance et rappeler en temps réel par des simples boutons pendant le live. La partie audio, qui encore une fois est extrêmement importante hein, dans les productions, et souvent les outils cloud qui existent délaissent un petit peu cette partie qui pourtant est fondamentale dans la production. Donc, cette partie remote audio mixing, ce qui est intéressant de voir, c'est comme l'ensemble des éléments de la production peuvent être réalisés à un même endroit ou à des endroits différents. Et c'est vraiment l'un des avantages de cette technologie que TVU a développée au cours des années, c'est de pouvoir permettre à des producteurs, à des ingénieurs audio, à différents intervenants d'une production, de travailler ensemble de manière synchronisée à faible latence. C'est tous les enjeux en fait d'une production multicaméra, que ce soit pour les news ou pour le sport. On peut bien entendu faire ce qu'on appelle du remote switching, donc on a un flux live qui arrive et on définit en fait en temps réel donc une nouvelle playlist. Et la partie remote guest, donc on a un outil clé qui s'appelle PartyLine et qui a deux fonctions principales. La première, c'est de réaliser au travers d'une infrastructure cloud des duplex. Donc, on peut avoir des duplex, mais on peut également faire intervenir une dizaine d'intervenants. Imaginons que vous avez un événement live, vous avez besoin de faire intervenir donc, des experts qui sont de chez eux ou différents studios. Vous pouvez ramener tous ces experts et soit en fait envoyer les experts et leurs signaux vers des serveurs SDI, donc chaque participant a en fait un canal SDI à attribuer, ou alors réaliser cette production entre les différents intervenants directement sur le cloud et fournir un programme fini en sortie. Donc ça, c'est la première partie fonctionnalité du produit, mais aussi une autre partie qui est extrêmement intéressante, c'est que du fait qu'on puisse interconnecter en vidéo et en audio plusieurs intervenants, on utilise également cet outil pour réaliser et faire la coordination des équipes pour la production. Donc, vous pouvez très bien avoir, par exemple, le producteur qui est dans le studio
les équipes sur le terrain et tout le monde connecté ensemble avec donc une sorte de réseau d'ordre dans lequel on a une matrice, on peut définir qui parle à qui et surtout faible latence et synchronisé. La beauté du système, c'est que tout intervenant sur la production, que ce soit le chef opérateur, le producteur, la partie audio, peuvent avoir en temps réel une vision en fait du ce qu'on appelle le video return, donc le retour vidéo qui peut être du MCR de la régie, mais en fait finalement ça peut être n'importe quel autre retour vidéo, afin de savoir vraiment qu'est-ce qui est transmis à l'antenne. Pour Alors, je vous coupe, terminer, on a merci. deux. Tu viens de m'envoyer une magnifique perche, si tu me permets une petite parenthèse pour Romuald. Romuald, on a bien senti qu'il y avait d'un côté la partie transmission et de l'autre côté la partie production dans le cloud. Pourquoi est-ce que c'est important à tes yeux d'avoir une cohérence entre les deux? Bah, Jean-Christophe l'a précisé, c'est vrai qu'on a une véritable souplesse avec la solution TVU de prendre, je vais le caricaturer, mais des flux qui arrivent d'un petit peu n'importe où. Et ça, c'est vrai que c'est une véritable souplesse. Par contre, quand on est dans le milieu dans le broadcast et dans la manière dont on a voulu faire cette émission, on avait quatre caméras sur le bateau. On en avait une sur une moto à côté qui filmait le bateau depuis les rives. On en avait une qui était à Saint-Denis. On en avait un qui était un reporter qui était en Ukraine. Et là où pour nous, c'était très important, c'était que l'ensemble des caméras puissent se synchroniser très facilement. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait quand même quelque chose de moins à gérer. Et donc, là où on a un avantage, c'est que nous, toutes nos équipes, elles étaient équipées de TV One. Alors, sur le bateau, c'était le One RPS, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'était la même technologie et donc on était dans une bulle maîtrisée. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de gérer ça. On n'avait pas besoin de gérer le décalage potentiel qu'il pouvait y avoir entre les différentes caméras, les latences qui étaient différentes. On était exactement dans un univers qui était totalement contrôlé, et ce qui nous a permis de créer et d'avoir une vraie fluidité de production qu'on n'aurait pas eu dans ce cas-là. Merci, Romuald. Alors, on l'a bien compris, il y a une boîte à outils, il y a un écosystème. Jean-Christophe, est-ce que tu peux terminer sur cet aspect-là, s'il te plaît? Oui, alors encore une fois, la partie écosystème, donc ce que nous on appelle chez nous la plateforme SaaS, que ça c'est en fait du software as a service. Donc sur la production, en revenant sur le slide d'avant, on a donc différents métiers finalement qui sont adressés hein, par la production cloud. Et également, on a sorti très récemment des outils d'intelligence artificielle qui permettent en temps réel de prendre des contenus qui sont donc envoyés par le monde TV ou éventuellement d'autres sources, et de pouvoir aider en fait à faire cette production en analysant le contenu, en créant des métadonnées, et voire même jusqu'à aujourd'hui à utiliser une intégration avec des logiciels de montage pour pouvoir préparer des contenus pour que les éditeurs aient déjà en fait la partie soit qu'ils ont recherchée, soit la partie en fait qu'ils ont automatisée. Dans cette partie intelligence artificielle, on a aussi développé un outil qui va être certainement de plus en plus utilisé, qui est en fait un routeur vidéo, mais utilisé sur le cloud, qu'on appelle MediaHub. MediaHub, en quelques mots, c'est Any in, any out. Donc, vous avez n'importe quel signal en entrée, donc du SRT, du monde TVU, du RTFP, du NDA, tous ces formats d'entrée. Une interface extrêmement simple pour décider où est-ce que vous allez distribuer ces signaux. Et donc, vous pouvez créer des profils, que ce soit un profil YouTube en sortie, des profils SDI, des profils SMBT 2110, SRT, etc. Donc, on allait un petit peu plus loin dans la technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux, la technologie, c'est aussi d'assurer la synchronisation des flux. Et là, lorsque vous avez, donc là, on n'était bien sûr pas dans un stade, mais Le cauchemar absolu hein, pour toutes voilà, celles et ceux qui ont sur une déjà piste. utilisé le C'est cloud. vraiment en fait le challenge de toutes les productions. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les outils cloud ont été un petit peu délaissés, n'ont pas été suffisamment testés, parce qu'on ne savait pas comment adresser ces problèmes de latence et de synchronisation entre finalement des flux et des équipes qui sont à des endroits différents. Donc, dans le monde TVE, on a résolu ce problème. Alors, il y a énormément d'algorithmes et de technologies derrière. Vous imaginez en 17 ans ce qu'on peut faire. On n'a pas chômé chez TVE. En fait, ce qu'on a créé tout simplement, c'est des algorithmes pour resynchroniser tous les flux entre eux. Et surtout, à partir du moment où je suis un producteur ou un réalisateur graphique ou audio, quand je décide d'une action, qu'elle soit exécutée à l'instant
réel où j'ai décidé, voilà, et pas quelques secondes après. Et tout ça nécessite du coup de calculer la latence dans la transmission et de pouvoir finalement resynchroniser tout ça de manière très simple. Et là, donc, le slide parle de lui-même. Vous avez des commentateurs qui peuvent avoir leur propre latence en transmission. Vous avez la partie vidéographique, la partie audio, etc. Mais de toute façon, au niveau de la partie opérationnelle, vous n'avez plus besoin de vous soucier des problématiques de latence, puisque de la technologie TVU, on a résolu ce problème depuis le début. Donc, lorsque vous ferez votre réalisation en fait, sur le cloud, tout sera absolument synchronisé. Alors, quand on préparait ce webinaire, Jean-Christophe, tu nous faisais part d'un projet pour lequel les commentateurs vont rester chez eux et vont commenter Tout de à fait. chez soi. Alors, encore une fois, vous pouvez voir cet avantage technologique de deux manières. On peut dire, ah, mais finalement, moi, je suis commentateur vidéo, je vais peut-être rester chez moi, j'ai pu voyager, je vais avoir moins de travail. Ou alors, vous pouvez voir de l'autre côté que cet outil, en fait, est tellement flexible que plutôt de prendre l'avion, par exemple, pour voyager au bout du monde et être sur un stade pour faire votre commentaire, vous pouvez le faire la même qualité. Alors, simplement, évidemment, la différence, c'est que vous n'aurez pas, j'irais peut-être l'ambiance sur le terrain, mais en dehors de ça, la grosse différence que vous allez avoir, c'est que vous pourrez, en fait, depuis chez vous, en ayant la même qualité de résultat, produire plus de contenu, avoir plus de clients, vous pouvez faire plus de production. Et l'outil est extrêmement flexible, puisque finalement, vous avez la possibilité de créer une production de très haute qualité, quel que soit l'endroit de la planète. Donc, on le fait Alors, beaucoup dans le monde du sport. Alors, on ne peut pas donner tous les noms des clients, mais vous pouvez vous imaginer que ce soit les plus grandes productions dans le sport ou finalement celles qui sont tout aussi intéressantes, mais au niveau plutôt régional, sont extrêmement intéressées parce que vous allez pouvoir finalement créer plus de contenu. Il faut revenir sur un chiffre qui est très important dans le domaine du sport, c'est que 99% des contenus ne sont jamais produits en live, surtout pour des raisons de coûts, de technologie et de budget. très bellement entendu. Je me permets d'intervenir juste François JC parce qu'on a une question qui est reliée à ce que JC Jean-Christophe vient de dire sur le Excuse-moi. besoin de produire plus dans le sport. On a une question qui serait plus pour Romuald, donc qui était est-ce que ce type de dispositif qui est en effet performant et moins coûteux pourrait s'appliquer à d'autres événements comme le Tour de France? Donc ça rejoint ce sujet. Romuald, peut-être que tu peux te pencher un peu plus là-dessus. Alors, est-ce que demain, pour le prochain Tour de France, je proposerai de le produire dans le cloud? Pour être très franc, non, pas immédiatement. Mais je dis bien pas immédiatement. Et je pense que la principale problématique, ça ne va pas être la problématique de production dans le cloud, ça va plutôt être la problématique de la continuité de la connexion sur le territoire français qui, on le sait, a une couverture parfois un petit peu aléatoire au niveau 4G, et donc sur lequel il faut s'assurer la connexion. Après, finalement, quand on regarde le Tour de France, hein, il n'y a pas tant de caméras que ça sur une étape du Tour de France et qui suit le déplacement. Si on se projette sur l'avenir, oui, à terme, ce qu'on est en train de faire quand on fait une production dans le cloud, pour moi, quand on s'en parle avec les équipes de TVU, j'ai l'habitude de dire que on est dans l'étape 2 de la remote production. Donc, bon, déjà, il faudrait peut-être que tout le monde se mette à la remote production. C'est peut-être déjà la première étape. Mais pour moi, on est à l'étape d'après. Et l'étape d'après, il faut savoir la commencer sur des choses qu'on va maîtriser et en montant progressivement en comment dire, en challenge, en capacité. Oui, pour répondre demain, je pense que, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, on est capable de faire des productions de sport. Ça, j'en suis complètement persuadé. D'ailleurs, je suis peut-être un petit peu plus prudent par rapport à d'autres partenaires de TVU Network, notamment aux États-Unis, qui produisent beaucoup plus de choses que nous. Je pense qu'à terme, à savoir quand sera ce terme, on serait tout à fait capable de produire quelque chose complètement, un événement majeur, complètement dans le cloud. Si demain on nous dit il faut couvrir par exemple, je ne sais pas moi, la finale d'un championnat de handball qui est dans un stade sur lequel on puisse s'assurer une connexion, notamment fibrée, je dis sans problème, sans aucun problème.
Moi, je pense on est capable. Alors après, voilà, il y a d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte et qu'on a dû gérer aussi, c'est la conduite du changement. Et ça, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que là, on est quand même vraiment dans un changement de paradigme. Et encore une fois, je vais reparler de ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. On est exactement au même changement de paradigme quand, dans les années 2012, 13, 14, 15, on disait aux équipes, non, mais vous allez faire des directs avec un boîtier d'1 kg avec des cartes SIM, au lieu d'avoir un camion satellite de 3 tonnes 5. Mais c'est exactement la même chose. Il faut arriver à avancer petit à petit, à persuader les équipes, à les embarquer comme on l'a fait. Et nous, les équipes opérationnelles, on les a embarquées pendant 4 mois de préparation avec l'ingénierie de France Télévisions, qui a fait un énorme travail, avec les ingénieurs de TVU. Et on a fait un travail de préparation pour que les équipes abordent cette technicité, cette manière de faire différente. Et c'est là où c'est très, très important. C'est la stratégie, hein, de la direction des technologies de France Télévisions, c'est de se dire, sur ces innovations, il faut qu'on embarque dès le début les utilisateurs. Parce qu'il faut qu'ils soient maîtres de l'évolution de leurs pratiques, de leurs process, et qu'ils décident eux-mêmes jusqu'où ils veulent aller. Et Jean-Christophe, qui nous accompagnait, qui était très présent auprès de nous dans cette période d'essai, il a pu remarquer quelque chose, c'est qu'au début, moi j'y suis allé en étant... En disant, écoutez, vous savez quoi, le son, on va le produire traditionnellement, mais on va faire que la partie vidéo dans le cloud. Et ça sera déjà une belle étape pour nous. Et ben, les équipes qui, au début, étaient un petit peu en prudence, elles ont adopté, elles ont travaillé, elles ont adopté le système, et c'est elles qui ont voulu aller plus loin. C'est elles qui nous ont dit, non, mais ça ne fait pas de sens. Il faut qu'on fasse toute la production comme ça dans le cloud, c'est ça qui fait du sens. En plus, finalement, il vaut mieux tout faire que partiellement. C'est beaucoup plus simple d'aller beaucoup plus loin. C'est plus de risques. C'est plus de risques parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Mais c'est beaucoup plus simple à gérer dans sa globalité et intellectuellement de dire on passe complètement le cap. Donc, pour répondre à la question, peut-être un petit peu longuement, oui, on est capable de faire du sport. Est-ce qu'on est capable de faire le Tour de France demain? En tout cas, pas dans nos esprits encore. Pas encore dans nos esprits. Il faut y aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Et Romuald, Merci merci beaucoup. hein, pour cette intervention. Je souhaiterais la compléter par un élément important. C'est que dans le monde TVU, il y a deux parties sur lesquelles on peut aider dans les productions. La première est la partie de la connectivité sur la transmission elle-même. Mais également, on a des outils, comme par exemple les commentaires à distance, qui sont finalement décorrélés de la partie transmission. Ce qui veut dire que, et c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, surtout dans le monde du sport, c'est qu'en fait, on fait des productions parallèles. C'est-à-dire qu'on n'assure pas forcément la connectivité. Il y a des événements dans lesquels TVE est engagé, qui sont produits avec des moyens traditionnels comme des CARSAT. Mais certaines parties de la production, comme les commentaires à distance, sont réalisées avec l'écosystème TVE. Et c'est toute la beauté du système. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de démarrer avec l'ensemble des écosystèmes et l'ensemble des technologies de TVU, qui, elle, en effet, fonctionne, mais qui nécessite, comme Romuald l'expliquait très bien, aussi des enjeux, des changements, des formations des différentes équipes. Et sur un événement comme le Tour de France, c'est quand même beaucoup de prestataires, beaucoup de personnes, d'intervenants sur une production, donc les enjeux sont aussi humains. Mais ce qui est tout à fait possible, c'est de se dire, eh ben, on commence, par exemple, sur le Tour de France, à faire une production parallèle, qui peut être, par exemple, juste sur les réseaux sociaux, ou de déployer temporairement ce qu'on appelle un pop-up channel. C'est une chaîne en plus qui a un contenu dédié, etc. Et ça, c'est entièrement possible de le réaliser avec l'écosystème TVU, bien que la partie transmission soit assurée par des avions relais, par des antennes, enfin des CARSAT tout à fait traditionnelles. Voilà. Donc, c'était pour compléter. En effet, je comprends que les enjeux sont des fois humains et très compliqués sur des énormes productions, mais on peut aussi y aller étape par étape. On peut commencer petit pour faire des productions beaucoup plus importantes. Alors, comme on aime bien les challenges à France Télé, ben on a préféré faire l'inverse, commencer par le plus haut. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est surtout qu'on était aussi effectivement sur un enjeu qui était moindre. C'est vrai que l'enjeu de diffuser sur France Info et le temps de préparation nous laissait le temps de l'appréhender et d'une manière beaucoup moins, avec moins d'enjeux que sur le Tour de France. Et ça, c'était extrêmement important. Et avec des équipes éditoriales, qui aiment l'aventure. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'en faisant ça,
on leur ouvrait le champ des possibles pour pouvoir produire d'autres choses qu'on n'est pas capable de faire, notamment d'un point de vue budgétaire. Donc ça, c'est vrai que c'était très important. Mais par contre, de là, on en a tiré des choses. C'est-à-dire qu'on a fait une production sur un ensemble, hein, avec tout le système, mais derrière, on a été capable de se dire, bah, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser par petite brique ou par globalité? Et un petit exemple, c'est que on avait géré tout le dans la spéciale, on a géré aussi tout le retour avec l'outil PartyLine, l'outil le retour de l'antenne, pardon. Un mois et demi après, on s'est retrouvé dans une situation pratique, comme il en arrive beaucoup dans l'info. Le vendredi, en fin d'après-midi, on apprend que le présentateur du 20h du samedi soir a une interview l'après-midi même du samedi à Londres, exclusive en France avec Mick Jagger. Sauf que voilà, impossibilité de pouvoir se déplacer. Par quoi? Parce qu'il présentait aussi son JT l'après-midi. Donc là, Mick Jagger, OK pour faire à distance, mais il voulait un retour en temps réel. Bah, qu'est-ce que l'on a fait? On a donné un Mac à un chargé de production de l'info, et il est parti à Londres, et il a mis en place la solution retour de PartyLine, qui a permis à Mick Jagger d'avoir le retour de Laurent Delahousse en quasi-direct. Il y avait, je crois, que quelques millisecondes de temps de latence, c'est-à-dire que c'était complètement invisible pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Et l'interview s'est passée, elle a duré 15 ou 20 minutes et sans aucun problème. Donc voilà, donc on a été capable de ce cas d'usage complet, en sortir un nouveau et on s'en est resservi depuis. Alors, on a parlé beaucoup des aspects techniques, des aspects humains. On va afficher dans quelques secondes l'architecture du système utilisé sur cette fameuse péniche pour ces 3 heures de direct, même plus. Mais avant, Christelle, on a plusieurs questions. Une question sur les coûts, il me semble. Oui, alors il y a plein de questions. Yoni, il est en train de les répondre par écrit. Mais on a deux questions que je veux adresser. C'est voilà. Alors, comment se passe la synchro vidéo audio entre le passage entre le satellite et la 5G? Alors, il n'y a pas de satellite pour le coup. C'est-à-dire que, en fait, la 5G et comment dire, le Starlink, ce que je comprends, c'est le satellite, c'est le Starlink, ça nous donne un flux global, un débit global Internet. Et après, c'est l'écosystème TVU qui encode et décode et recolle les paquets au bon moment. Mais c'est une agrégation d'une connexion Internet. Jean-Christophe, peut-être que tu Oui, peux en compléter, effet, de hein. toute façon, on verra après l'architecture globale, ça permettra de mieux comprendre. Mais pour répondre à la question de manière très simple, c'est justement toute la complexité de la technologie, des algorithmes qui se cachent derrière ces produits. Là, dans le cas de France Télévisions, on avait mis en place en fait un double système de redondance en fait de la connectivité. On avait la transmission principale qui est effectuée par un tout petit boîtier de transmission, et également derrière un routeur qui, lui, en fait, avait également des connectivités cellulaires et qui récupérait les flux du satellite. Et ce routeur lui-même mélangeait, agrégeait l'ensemble, en fait, de gérer des débits montants et descendants pour offrir un flux constant de data et fournir cette connectivité qui était nécessaire pour la transmission. Donc oui, en effet, il y a énormément de détails. Pourquoi et comment on y arrive? Mais là, bon, je dirais, on est plus sur un séminaire technique et expliquer la technologie. En tout cas, de manière opérationnelle, c'est totalement transparent. Ce qui est délivré pour les équipes de production, c'est une synchronisation, une transmission faible latence de tous les flux vidéo et audio. Alors, messieurs, dames, 14h44 à Paris. Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour ce webinaire. Christelle, tu as encore une question, il me semble, sur la partie coût. Oui, voilà. Quel est le coût d'une production cloud? Alors, Qui se lance? Romuald Rare, France Télé. en fait, on pose souvent plutôt la question, c'est combien vous avez économisé? Donc, ça veut déjà dire que dans la tête, on sait que ça coûte moins cher. Alors, on ne le réfléchit pas comme ça à France Télé, ça peut paraître étrange, mais bien évidemment, on est
On travaille sur des budgets d'argent public et tous les ans, jusqu'à présent, parce que là, ça change un peu, mais on avait des économies à faire. Mais là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif. L'objectif, c'est plutôt de se dire comment chaque ressource qu'on arrive à dégager, que ce soit de la ressource humaine ou de la ressource financière, on arrive à la réinvestir sur une autre production. C'est surtout ça. C'est comment on arrive à produire de manière plus light pour produire plus. Pourquoi? Parce que le public, il veut que les équipes des sports, les équipes de l'actualité soient en proximité. Et être en proximité, ça veut dire produire à l'extérieur, ça veut dire être beaucoup plus présent sur le terrain. Et donc, pour être plus présent sur le terrain, il faut produire de manière plus light. Et plus light, ça ne veut pas forcément dire plus économe. Et donc, c'est là, Romuald, je te ouais. coupe honteusement. Quand on a répété, tu nous as sorti un chiffre magique. Quel est le Ah ouais, chiffre j'y arrivais. magique? Et encore une fois, Impressionnant. je vais pas l'exprimer en comment dire en termes d'économie, même si on pourra le déduire. Mais nous, on estime que produire dans le cloud, ça nous permet de faire une production à l'extérieur de plus toutes les deux productions. Donc ça veut dire qu'on fait 30, à peu près 30% de ratio d'économie pour parce que je vois que François, tu as de toute façon pas posé la question. C'est ça. Mais globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. C'est que on arrive à dégager 30% de ressources. Et encore une fois, je parle de ressources, c'est-à-dire c'est les moyens humains, mais c'est aussi les moyens techniques qui sont mis en place. Parce que quand on Alors, déplace merci. Je me un permets, je suis moyen un petit peu technique, directif. On arrive à voilà. la fin. Je voudrais vraiment qu'on couvre tout. Moyens techniques mis en place. Est-ce qu'on peut voir le schéma de l'architecture? On en meurt de curiosité, meurt d'envie. Voir cette belle architecture déployée. Sur cette péniche par France Télévisions. Alors, on verra un petit peu petit à l'écran, mais on va Voilà, vous donc zoomer. je vais me permettre d'intervenir sur cette partie-là. Donc, j'invite tout le monde à rester, à ne pas partir en courant, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple que ça ne paraît. Évidemment, on avait besoin de faire ce schéma technique, parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'équipes différentes au sein de France Télévisions. Donc, il fallait que chaque intervenant ait le moyen de comprendre finalement ce qui était organisé dans l'ensemble. Alors, déjà, revenons sur la partie principale. Il y a la connectivité et il y a la production avec des outils différents. Donc, ce qu'on a mis en place, donc vous voyez sur la partie à gauche, on avait quatre caméras qui étaient sur le bateau, mais également quatre caméras qui étaient à d'autres endroits, des duplex qui étaient réalisés à partir d'autres endroits. Tous On les voit flux, en fait, l'Ukraine, Trocadéro, une voilà, moto, un crane, petit Trocadéro, moto, c'est-à-dire, encore une fois, on pourrait avoir encore beaucoup plus de flux rentrant. Mais déjà, c'était pas mal d'avoir une production avec huit caméras, plus des sujets, bien sûr, qui ont été créés, diffusés à l'antenne. Donc, Alors, ce qu'on a fait, c'est Jean-Christophe, je te qu'on. coupe honteusement encore une fois. IFB en français, c'est les retours, les N-1, OK? C'est toute Alors, la partie audio en bas. Hein. donc, en fait, je vais y venir. Il y a donc deux parties dans la transmission, la partie vidéo et la partie audio. Il y a déjà ce qui était intéressant de voir, c'est que toute la transmission, qui était donc à des endroits différents, bon, il y en avait quatre sur le bateau, et les caméras qui étaient en dehors du bateau, toutes les caméras sont arrivées de manière synchronisée dans le cloud. Donc, ont été remontées par des moyens de transmission 4G, 5G, backupés par du satellite qui aujourd'hui était le Starlink, mais ça pourrait très bien être n'importe quelle autre technologie, ont été acheminés vers le cloud. Donc, ce que vous voyez en fait au centre, c'est PP, c'est le TVU producteur. Donc, la grande différence par rapport à ce qui se fait en remote production de manière assez fréquente, c'est qu'on n'a pas simplement envoyé les flux des caméras à une destination, donc des flux non réalisés, c'est qu'on a envoyé tous les flux dans le cloud pour les réaliser dans le cloud. Et vous voyez donc en sortie du cloud, donc les receivers, en fait, sont des récepteurs SDI qui étaient eux-mêmes installés dans les infrastructures de France Télévisions. Donc on a envoyé un signal réalisé en sortie du producteur. Ceci dit, comme on voulait s'assurer d'une certaine redondance, on a créé notre propre connectivité, notre propre acheminement des flux, donc ce qu'on appelle acheminer les flux IsoClean. Donc vous voyez un autre système, un autre encodeur en bas qui s'appelle le RPS Link, qui a pris en fait l'ensemble de ces flux et les a acheminés un par un vers d'autres récepteurs de France Télévisions, donc le RPS décodeur. Donc on avait en fait pour se dire que s'il se passait quoi que ce soit avec le cloud, alors ça n'arrive pas parce qu'il faut bien comprendre qu'on utilise des infrastructures Amazon qui elles-mêmes sont archi redondées, donc le cloud ne tombe jamais en panne. Mais ceci dit, on s'est dit, se passe-t-il quoi que ce soit au niveau de la réalisation dans le cloud, tous les flux vont arriver à la régie de France Télévisions et à France Télévisions, vous avez des producteurs, réalisateurs audio qui peuvent reprendre la main le cas échéant. En parallèle de tout ça,
On a mis donc des outils qui ont permis de travailler sur la production elle-même. Donc, en dehors du producteur qui était le cœur, hein, pour faire le switch des caméras, etc., on a l'outil en fait tout en haut, s'appelle le party line. Et le party line, vous voyez que dans le schéma, il y a le RTIL. Alors, c'est quoi le RTIL? C'est Real Time Interaction Layer. Et c'est justement cette technologie qui a permis non seulement d'acheminer une coordination, mais d'aller beaucoup plus loin de l'IFB traditionnel. Donc l'IFB traditionnel, c'est quoi? C'est finalement, Les j'ai retours une audio. personne qui parle à une personne et qui répond à l'autre personne. Le RTL a permis non seulement aux équipes qui étaient à France Télévisions d'interagir avec la péniche qui circulait sur la scène, mais également les équipes elles-mêmes sur la péniche de pouvoir discuter entre elles, entre la personne qui faisait l'interview, la réalisation vidéo, la réalisation audio, la maintenance, supervision technique, etc. Et cet ensemble de réseaux d'ordre en fait qui a été créé dans PartyLine, et donc il y avait un opérateur finalement PartyLine qui décidait qui parlait à qui. L'ensemble en fait de la réalisation audio a pu se faire de manière parfaitement synchronisée, que ce soit pour l'audio produit pour le programme, mais également l'audio qui était nécessaire, l'intercom finalement, qui était nécessaire entre les équipes techniques. Tout ça finalement réalisé donc sur le cloud avec un outil central. Donc le TV Producer et finalement deux boîtiers TVU RPS-One qui pèsent à peu près 1 kg. Donc pouvez-vous vous imaginer que finalement une production extrêmement complexe peut être réalisée avec, en termes je veux dire, matériels, de manière vraiment simplissime. Vous avez besoin finalement d'un portable, d'un PC pour faire la réalisation cloud et du boîtier de transmission pour assurer le transport des images des caméras vers le cloud. Alors Jean-Christophe, tu viens de répondre à la question que j'avais qui était si on veut commencer petit, on fait comment? Tu viens de nous répondre. Donc avec peu d'équipement, on peut le faire. Quand on parle de diminuer ou de réduire l'équipement, on pense aussi à la partie empreinte carbone. Romuald, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors ça c'est un sujet qui est extrêmement important pour France Télé. C'est-à-dire que pour nous, un projet sera fiable à partir du moment où, même si on ne fait pas d'économie, il nous permet de réduire notre empreinte carbone. France Télévisions est engagée dans le respect des accords de Paris, donc ça c'est extrêmement important. Là, ce que l'on a vu, c'est que pour nous, il y a... Alors, comme on disait, sur un bateau, c'est vrai qu'avoir des camions de transmission sur un bateau, c'était un peu compliqué, hein. Bon, ça nous a beaucoup fait rire avec Jean-Christophe pendant un petit moment. Là, très clairement, on voit que sur une production comme ça traditionnelle, normalement, c'était trois camions qui se seraient déplacés. Là, on a un seul camion pour le matériel, j'ai envie de dire, normal de captation. Qui s'est déplacé. Et encore, hein, ce matériel-là, il peut être amené à s'optimiser, hein, quand on sera capable de faire une bulle 5G privative, tout ça pourra nous aider. Mais ça, c'est extrêmement important pour nous. Moins de personnes qui se déplacent, c'est moins d'empreintes carbone. Moins de personnes qui transportent du matériel, c'est aussi, d'un point de vue social, une meilleure gestion des troubles musculo-squelettiques. C'est voilà. Dans une production traditionnelle, on aurait été obligé d'installer une régie sur le bateau parce qu'on aurait transmis un seul flux. On n'aurait pas transmis X flux comme ça. Donc c'est ça que l'on aurait fait. Bon bah voilà, mis bout à bout, ça fait beaucoup beaucoup d'économies sur l'empreinte carbone émise sur ce type de production par France Télévisions. C'est évident. Surtout que il faut arriver à se projeter, c'est que ma table de mixage, c'est un ordinateur. Ma table de réalisation, c'est un ordinateur. Enfin, on n'est vraiment plus dans les mêmes rapports de poids, de transport, de durée d'installation. Voilà, on n'est plus du tout dans le même paradigme. Je voudrais vous proposer, puisqu'il est déjà 14h54, on a un petit peu dépassé sur notre horaire. Jean-Christophe, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, nous parler de l'avenir, ce que tu vois dans le futur, tu nous as parlé l'extrême souplesse de telles architectures, telles solutions? Alors oui, je vais essayer de faire une conclusion courte, même si le sujet en fait est passionnant, parce que c'est un sujet d'avenir.
La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'ici, on est capable de mettre en live du contenu qui, de toute façon, n'aura pas pu passer en live autrement que par notre système. Et c'est là, en fait, où TVU, je pense, a développé des solutions qui sont finalement solutions techniques, mais qui résolvent en fait, des problèmes de production. C'est-à-dire que quand vous réalisez, par exemple, un marathon en montagne, où vous réalisez des images aériennes, au-delà des capacités de la transmission HF, vous êtes bien obligé de réfléchir sur d'autres méthodes, d'autres technologies pour rendre ces productions possibles. Et vraiment, je reviens sur le sujet du monde du sport, vous avez 99% des productions qui ne sont pas passées en live dans le monde du sport. Ce n'est pas uniquement des questions de coût et de flexibilité, c'est des questions aussi de faisabilité technique. Et l'ensemble des solutions qui ont été pensées en fait, par TVU, que ce soit au niveau du matériel pour la transmission, mais la production permettent justement de créer des contenus qui, de toute façon, n'auraient pas pu être créés autrement. La dernière chose que je voudrais préciser, qui est une partie très importante, c'est qu'on ne sacrifie jamais la qualité. Ce n'est pas parce qu'on a des outils qui sont dans le cloud qu'on ne fait que des vidéos qui sont destinées à un monde YouTube, réseaux sociaux, Instagram et autres. En fait, que vous soyez un petit producteur ou un très grand producteur, vous allez avoir la même qualité de sortie des signaux. Ce qui est important, finalement, c'est comment utiliser ces nouveaux outils. Et je terminerai sur le fait que vous soyez, encore une fois, une petite société de production ou un broadcaster ou une grande production dans le monde du sport, vous pouvez aussi expérimenter étape par étape ces outils. Vous n'êtes pas obligé de, par exemple, utiliser exclusivement la transmission TVU. Vous pouvez utiliser vos moyens satellites et utiliser la production cloud pour expérimenter ces faibles latences, cette qualité de sortie. Et c'est important parce qu'en termes de coûts, mais également en termes de risques, on peut y aller étape par étape plutôt que de passer exclusivement sur un changement majeur de production vers le cloud. Merci Merci à Jean-Christophe tous. Galbout de TVU Networks. Le mot de la fin, Romuald, on a parlé sport. Il y a un gros événement pour vous l'année prochaine. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, Romuald. Ah, pardon. Oui, non, je vois pas quel événement dont tu parles. Non, c'est vrai que pour nous, il y a la diffusion des Jeux Olympiques. Alors, sur les Jeux Olympiques, nous, on ne va pas avoir beaucoup de. Sur la production des Jeux en eux-mêmes, on ne va pas avoir beaucoup de marge parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui produisons, hein, c'est l'organisation des Jeux Olympiques. Mais par contre, autour, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de choses. On a le parcours de la flamme, on va avoir plein d'événements. Et donc là, effectivement, il faut qu'on soit agile, hein. Il faut qu'on soit agile et puis surtout que il faut qu'on arrive à produire tout ça avec bah, voilà, la meilleure optimisation. Donc on est en train de travailler là-dessus, on est en train de travailler sur pas mal de choses pour les JO, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une petite confidentialité quand même, mais on pense aussi surtout à après, en fait, parce que pour nous, les JO, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, c'est une mise en évidence, c'est de la communication qui permet d'accélérer les choses, mais c'est tout ce qui va se passer derrière. Et derrière, et ben voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a France Télévisions qui veut produire beaucoup de sport en région. Il y a des droits que l'on a sur le sport et qui sont des droits sur des sports dits secondaires, entre guillemets, qui ne sont diffusés que parfois que sur le numérique, ou parfois, bah, où c'est vrai, on n'a pas les moyens, la possibilité d'envoyer des gens sur place. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on est en train de se projeter, mais c'est sur un travail vraiment à longue échéance, sur la modification, de nos façons de produire. On a hâte de voir ça. Romuald Rat, monsieur Innovation à France Télé, merci. Alors, ça a fusé au niveau de questions. Merci à toi, Yoni, d'avoir répondu dans le chat. Christelle, le mot de la fin de ton côté. Alors, vu qu'on s'arrête, je n'ai pas répondu à la dernière, donc Mon Dieu, mon j'y Dieu, mon réponds Dieu. en live avant que Christelle donne le mot de la fin, qui était sur s'il a des problèmes de routage et de trafic dans le cloud, est-ce qu'on peut toujours avoir un résultat à la destination? Donc, bon, bah, bien sûr, quand on opère sur le cloud, si le cloud tombe en panne, ça va être compliqué. Mais après, ensuite, donc, on travaille sur ce que j'expliquais, différents services cloud, que ce soit AWS, Google, Baidu pour la Chine, Azure, Microsoft. Donc, enfin, sur des systèmes très fiables, on parle de AWS quand même, qui en fait, quand ça tombe en panne, je crois que ça arrivait une fois sur les 2 dernières années, c'était assez catastrophique et ça a duré 5 minutes. Donc, c'est quand même des systèmes qui sont extrêmement fiables. Ensuite, après, bien sûr, on peut toujours avoir un backup, donc c'est-à-dire avoir un système redondant pour pouvoir
en parallèle sur des gros événements majeurs, avoir une roue de secours. Mais donc voilà. Je permets juste de préciser que le satellite tombe aussi en panne. Et Voilà. qu'il arrive souvent que dans les grandes productions, ce soit justement des connectivités 4G, 5G assurées par TVU qui reprennent temporairement le satellite qui tombe. Et quand même pour terminer sur une chose qu'on a précisé peut-être pas assez, mais dans l'infrastructure qu'on avait mis en place pour cette production, on a assuré nous-mêmes notre propre résilience du cloud. Et il est tout à fait possible d'assurer une transmission et une production dans le cloud et tout en parallèle de transmettre ces mêmes images directement point à point vers un serveur SDI dans une chaîne de télé ou un centre de production qui pourra, avec des équipements traditionnels, reprendre la main le cas échéant. Donc, on peut travailler sur la redondance à plusieurs niveaux. Merci, messieurs. Christelle, le mot de la fin. Ok, ben, merci Romuald et Jean-Christophe pour votre excellente présentation. Pour ceux d'entre vous qui ont prévu d'aller au Satis, Jean-Christophe y participera à la conférence 2024, l'arrivée de la 5G pour mieux immerger les spectateurs au cœur des performances des JO, le jeudi matin à 10h, 10h30, pardon, au Théma 4. Et merci encore une fois à tous pour votre participation. Dans les prochains jours, on va vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Et si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à toutes et tous. Eh bien, écoutez, Bonne une bonne journée à tous et à journée. toutes. À bientôt. Bon après-midi.